Bon dia, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Bonjour, soyez le bienvenu à l'Institut d'Études Catalanes per la inauguració d'aquest col·loqui internacional Eloïsa, Pedagogies de la democràcia i la resistència a l'Europa del segle XX i fins avui. Obrim ara aquestes jornades en uns temps que a Europa, ho veiem cada dia, sorgeixen moviments que qüestionen les bases democràtiques sobre les quals s'ha edificat i que pretenen el retorn de formes autoritàries. Com ja s'havia fet ahir, avui cal plantejar-nos un esforç renovat, una acció educativa que promogui a l'escola i a la societat, especialment a la societat, l'exercici i la vivència dels drets humans i els valors democràtics. Com en el passat havien lluitat i fet els cinc grans pedagogs catalans que es prenen de referència, novament cal vestir pedagogies de la democràcia i la resistència, com s'han portat a terme a l'Europa durant el segle passat o ara mateix. Us plantegeu en aquest col·loqui com construir per l'educació l'Europa on ens agradaria viure, on volem viure i que hi visquin les properes generacions. Debatent com ser educadors en la crisi democràtica actual, examinant el lligam entre llengua i cohesió social o recollint reflexions i experiències. Car és en la ment dels joves on cal edificar els valors de la democràcia i d'una ciutadania activa. Potser mai com ara havia estat tan difícil ser mestre, però també mai havia estat tan interessant i necessari ser-ho. Deixeu-me agrair i remarcar el compromís i el suport rebut de les nostres administracions, amb representants que ens acompanyen a la taula, i de la societat civil a aquesta anàlisi que ara encetem, tot esperant que obri pistes positives d'intervenció educativa. També agrair la presència de l'observador del Consell d'Europa que ens acompanya i a tots vosaltres el vostre interès i la vostra participació. No puc deixar de dir dos mots breus sobre la meva experiència personal. Jo he estat, ara soc professor emèrit, però he estat durant més de 40 anys professor universitari de ciències, de biologia, d'ecologia, i sé per experiència que allò que s'ensenya a les aules, si no se surt al camp a viure-ho, no serveix gairebé de res. En el camp de l'educació primària i especialment la secundària i el batxillerat, sortir al camp, que també es fa, vol dir sobretot viure la realitat, no només allò que s'explica a les aules, sinó allò que passa a l'entorn. De manera que explicar tot això que passa a l'entorn no és ensinistrar, no és educar d'una manera, podríem dir, esbiaixada, que és el que sovint se'ns ha criticat a l'àmbit educatiu. No es poden ensenyar els reis gots, els rius del món, per dir alguna cosa, sense explicar el que està passant a casa i quines motivacions que hi ha al darrere de moviments que no són en absolut amagats, que es veuen al carrer, es veuen en els mitjans d'informació. I això no és adoctrinament, això és ensenyar la pura realitat. Per tant, entenc que avui se'n parlarà d'això i de moltes altres coses. Voldria donar la benvinguda, ja ho he fet, i donar la paraula primer a la senyora Francine Beniscott, que és representant de l'Eloïse. En avant, c'est votre moment. Allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Je ne suis pas la présidente d'Eloïse, mais je remplace le président Xavier Riondet, qui a été empêché de venir à cause d'une très mauvaise chute. Je le remplace en tant que présidente fondatrice d'Eloïse et ayant aujourd'hui la mission de porter le dossier de labellisation de notre itinéraire devant le Conseil de l'Europe pour qu'il soit intégré aux itinéraires du Conseil de l'Europe. Nous sommes ici dans un lieu magnifique, chargé d'histoire, chargé de mémoire, et je veux remercier chaleureusement l'Institut d'études catalanes et son président, Joan Domènech Ros, de nous accueillir ici. Maria Carominas, présidente de la section de philosophie et de sciences sociales,
Je veux remercier le Collège des docteurs et licenciats, Carme Amoros et Mireia Montané. Je veux remercier le ministère de l'Enseignement de la Catalogne et son directeur général, Josef Valcorba, ainsi que les associations Rosa Sensat et la Fondation Marta Mata, leurs présidentes, Francina Marti et Assunta Beg. Et remercier enfin toutes les universités qui ont contribué à préparer ce colloque, ainsi que les formateurs d'enseignants, les écoles qui nous ont reçus, qui ont travaillé avec nous, et les lycées de Catalogne. Voilà, je vous remercie. Merci. Ara, en el moment de l'intervenció del senyor Rafael Humet, que és diputat responsable d'educació de la Diputació de Barcelona. La Diputació de Barcelona, en el seu moment, fa més d'un segle, va crear l'Institut i els llaços que ens uneixen en tots els àmbits són forts des de llavors. Endavant. Moltes gràcies, bon dia. Gràcies, president, autoritats acadèmiques, senyor Pepa Corba. Com vostès saben, la Diputació de Barcelona, més enllà d'aquest paper que va fer fa un segle de la Mancomunitat i ajudant a desenvolupar doncs, unes estructures de país absolutament necessàries, en aquests moments el seu principal o la nostra principal tasca és donar suport a les polítiques que fan els ajuntaments democràtics, perquè, com molt bé recordava a la seva intervenció el president, ens preocupa especialment allò que passa a la societat i en aquell lloc on ens agradaria viure. I aquella Europa on ens agradaria viure té concrecions en els nostres municipis, en els nostres pobles i en les nostres ciutats. Ja, si em permeten, potser una expressió molt col·loquial, però és que l'he sentit tants cops dels alcaldes i alcaldesses de la demarcació de Barcelona que penso que està bé deixar-la aquí perquè és molt pertinent, trobo, amb la reflexió del col·loqui que es farà avui. Què faig amb aquests nanos que tinc a la plaça? Aquesta pregunta respon moltes realitats o descriu moltes realitats, l'abandonament escolar prematur, una certa marginació social, perquè en aquests moments és un dels reptes que ens enfrontem i té molt a veure amb les reflexions d'avui. L'escola en aquests moments iguala. L'escola, malgrat tots els malgrats, i abans parlàvem de malgrats referent al nostre país, malgrat tots els malgrats, té aquesta capacitat d'igualar oportunitats. Però fora escola, les oportunitats educatives de fora l'escola són les que segreguen, són les que discriminen, són les que marquen la diferència. Per tant, tenim un marge molt ampli de polítiques públiques per treballar per la llibertat, per treballar per la democràcia. A principi del mandat, quan vaig entrar a diputat, ara farà 4 anys, només teníem un 5% de municipis amb consells de participació d'infància i adolescència. Quan acabem aquest mandat valorarem en quin punt som, però encara que el percentatge ens hagi augmentat, és evident que tenim molt camp per córrer, molt marge, i és imprescindible que centrem a les nostres polítiques públiques la participació, l'aprenentatge de la democràcia, de la reflexió i la formació de la ciutadania crítica. Per tant, doncs, només em queda agrair-los l'amable invitació el dia d'avui i esperar que tots plegats tinguem una bona jornada. Moltes gràcies. Gràcies. És ara el torn del senyor Josep Vallcorba, que és director general de Currículum i Personalització del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Davant. Molt bon dia, monsieur professor Mérieux. Bonjour. Diputat i company Rafael Humet, president Ros, madame Francine Niscot, senyora Mireia Montaner, presidenta del World Federation of Association for Teacher Education. Molt bon dia a tothom i una salutació especial de part del conseller, que de fet és qui havia de ser avui aquí inaugurant aquesta jornada, però no ha pogut ser. Des del Departament d'Educació valorem especialment jornades com aquestes perquè són imprescindibles per enfortir-nos col·lectivament. Són una aturada reconfortant i un estímul necessari. Que l'Institut d'Estudis Catalans aculli un col·loqui internacional Eloís amb el títol Pedagogies de la democràcia i de resistència de l'Europa al segle XX i fins avui, en el context reaccionari i autoritarista global que estem vivint, és molt rellevant.
En aquests moments de tensions, amenaces i greus contradiccions, és necessari que totes les institucions democràtiques, i no només les estrictament educatives, sapiguem trobar maneres de caminar plegades i, si cal, obrir camí. Perquè l'escola és molt potent, però no és omnipotent. En aquest sentit, estem a punt de signar un pacte, per exemple, amb el síndic de Greuges contra la segregació escolar, per començar a revertir una situació que s'ha anat cronificant per l'absència, justament, de polítiques a favor de l'equitat. Tenir objectius educatius exigents, en contextos adversos i difícils, no només vol compromís i determinació, sinó que també implica actituds obertes, reflexives i dialogants. L'escola ha de respondre a un món trasbalsat, desbocat i d'una gran incertesa creixent. Per això té la responsabilitat de fomentar valors, actituds i competències per aconseguir un creixement inclusiu i sostenible i una ciutadania activa, crítica i democràtica. Com que els experts ens diuen que la meitat dels alumnes actuals treballaran en feines que encara no existeixen, per això volem propiciar un currículum competencial, significatiu i funcional, perquè al marge de la incertesa, molt probablement hauran de saber garbellar informació amb criteri, pensar amb rigor, explicar-se amb eficàcia i resoldre situacions complexes. I alhora, no ho oblidem, perquè massa vegades hi passem de puntetes, contribuir a formar persones que facin que aquest món sigui més amable, més solidari i més lliure. Entenent per llibertat la possibilitat de millorar en dignitat i en benestar. Em sembla que era John Dewey que deia que parlar d'educació democràtica era un pleonasme, una repetició innecessària. No fa gaires dies una mestra admirable em venia a dir el mateix parlant de l'escola inclusiva. Realment seria bonic que fos així i que la paraula escola ja inclogués adjectius tan contundents com inclusiva, acollidora, orientadora, en contraposició a adjectius tan tristos com segregadora, humiliant o selectiva. Però els adjectius continuen sent imprescindibles. En realitat, canviar o fixar un d'aquests adjectius implica tones i tones de polítiques educatives eficients i sostingudes. No hem de donar res per suposat ni per superat. Hem de continuar aprofundint i consolidant dinàmiques d'intervenció basades en el compromís, l'ofici, l'equitat i la cura pels detalls. Sabem prou bé que l'escola no pot transformar la societat, però que hi ha de contribuir, i que alhora la societat s'ha d'implicar en la seva millora en una dialèctica de complementarietat i confiança. Hem de passar de "això és impossible" a veure com i quan ho comencem a fer possible. Les transformacions educatives volen lideratges forts i sostinguts enfront d'inèrcies, interessos o pors. Potser algun dia serem capaços d'aconseguir acords estables que ens permetin desenvolupar polítiques de llarg abast, fonamentades en evidències més que en ocurrències i regulades per pràctiques reflexives compartides orientades a l'èxit educatiu de tot l'alumnat, sigui com sigui i vingui d'on vingui. Altrament, només anirem fent i desfent, i per tant no contribuirem com caldria a construir una realitat més justa, més sostenible i més digna. El repte que tenim és, doncs, ingent, i per això és tan important compartir visions i unir esforços com avui estem fent aquí. Però permeteu-me, per acabar, una petita anècdota vitamínica. Fa uns dies em van convidar a un acte que organitzaven 9 instituts públics d'arreu del país
en el marc del Memorial Democràtic en commemoració de la fi de l'Holocaust. I vaig anar a contracor, perquè estava una mica desanimat. Molts problemes, poques solucions, i potser perquè ja em rondava un grip que acabo de passar. Només arribar, em vaig trobar amb un grup de professors entusiastes que m'esperaven a la porta i darrere la porta uns 500 adolescents en la seva salsa. Vaig pensar que allò podia ser un guirigall monumental. Des del primer moment, un acte que va durar més de 2 hores va ser una mostra excel·lent de sensibilitat, de respecte, de silenci, de participació, d'implicació i de bon fer. Els alumnes, amb el suport i l'orientació dels professors, havien preparat aquesta activitat commemorativa des de diferents àmbits: la llengua, socials, música, plàstica, amb lectures, interpretacions, reflexions, exposicions. Potser és que em faig gran, potser és que em trobava amb el grip, però mentre hi pensava, tornant cap al departament, em vaig emocionar. Aquella colla de magnífics professors no només havien aplicat magistralment els 7 principis de l'aprenentatge, sinó que havien exercit el seu compromís social i havien construït una activitat a favor de la dignitat i dels drets humans que aquells nois i aquelles noies segur que recordaran sempre, perquè justament ells en van ser els protagonistes. Hi ha molta feina per fer, però se n'ha fet i se'n fa molta cada dia. Aquest és justament el patrimoni pedagògic que conjuntament hem d'incrementar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Entenc que inaugurem el col·loqui després d'aquesta presentació. Demanaré a la senyora Mireia Montaner, que és presidenta de la Federació Mundial d'Associacions per l'Educació dels Mestres, si ens vol presentar el conferenciant, el senyor Philippe Mereux. Moltíssimes gràcies, president. Primer de tot, donar-vos les gràcies per acollir-nos a l'Institut d'Estudis Catalans, que és la màxima acadèmia d'investigació de Catalunya, i això ens honora molt, i sobretot en aquesta sala tan, tan preciosa i tan bonica. Realment, l'Institut d'Estudis Catalans per nosaltres suposa l'ànima de la recerca a Catalunya i la recuperació dels drets de Catalunya a explicar la seva pròpia història i a fer recerca sobre el seu passat i sobre l'actualitat, sobretot, i l'actualitat científica que vos representeu també. Llavors, doncs, realment moltes gràcies per acollir-nos en tant que associació Eloís. Em fa molta il·lusió dir-vos que aquí tenim la persona que va fundar Eloís, que és la senyora Francine Beniscot. Realment, Francine Beniscot ha estat presidenta de l'Associació Europea per la Formació d'Ensenyants, molt abans que jo ho fos, i va ser de la seva mà que realment vaig descobrir l'Europa de l'educació, l'Europa de les facultats d'educació, i per tant, doncs, li vull donar les gràcies. I també perquè avui és aquí amb nosaltres. I és clar, què puc dir de, no ho sé, de que ens acompanyi el director general, Josep Vallcorba, que, no ho sé, per nosaltres té tot un significat, perquè és una persona que s'acosta verdaderament als problemes i a les escoles, i que no és un director per fer bonic, sinó que és un director per fer coses des del Departament d'Ensenyament. I això penso que és una cosa a dir, perquè des de les administracions moltes vegades un es pensa que estem molt lluny, no?, de la realitat social, i en canvi el nostre director s'hi acosta molt, i per tant, doncs, gràcies també. I, naturalment, la Diputació de Barcelona ens ha acollit sempre, i des de la Marta Mata, que em va ser, doncs, una antiga predecessora teva, i que, per tant, doncs, sempre ens ha ajudat amb tot el que fem, i moltes gràcies per venir i per ser present aquí també. I, és clar, doncs ara què haig de fer? Presentar el, no sé, què ho diria jo? Una de les més grans personalitats de l'educació a Europa en aquest moment, jo crec que és el professor Philippe Mereux. No hi ha cap mena de dubte que tot el seu pensament, tota la seva acció, tota la seva activitat, tota la seva vida ha estat a favor de l'escola per tots i totes, per l'escola pública, i això des de la universitat.
Ell, quan era molt jove i era professor d'universitat, va decidir deixar la universitat i anar directament a un institut per saber què passava en els suburbis de Lió, veure realment quines eren les necessitats educatives que tenien els nanos amb dificultats. I això penso que l'honora moltíssim, no? Que un professor d'universitat deixi una universitat, se'n vagi a un institut, i se'n vagi a un institut en un barri amb dificultats, doncs no deixa de ser, no sé, una acció que l'honora moltíssim, no? I que és un, no sé, és una acció exemplar. I després també ha dirigit l'Institut Nacional de la Recherche Pédagogique, de la recerca pedagògica, a París, l'Institut Nacional de la Recherche Pédagogique, l'INRP, que per nosaltres ha sigut durant molts anys un lloc de peregrinatge, sobretot durant l'època franquista. Anar a París i anar a l'Institut de la Recerca Pedagògica era, no sé, com entrar a dintre d'una catedral de l'educació avançada. I no ho sé, entre això i els Cahiers Pédagogiques, els Cahiers Pédagogiques, que després aquí va donar lloc a los Cuadernos de Pedagogia, no? Eren per nosaltres una mica l'esperança de que sota el franquisme podíem anar més enllà, no? I era com una bocanada d'aire fresca i tornàvem a Barcelona plens d'idees i plens d'energia després d'haver estat a París. No cal dir que el professor Marier té una llista enorme de llibres i de publicacions, i el que ens honora molt és que Rosa Sensat, des de fa més de 40 anys i té relació, ja ha traduït els seus llibres en català. Per tant, tenim el goig de poder-ho llegir directament en català gràcies a l'esforç de Rosa Sensat i de la relació. I aquí em fa il·lusió també mentar la Irene Balaguer, que segur que avui hagués estat amb nosaltres, contentíssima de que gràcies a ella, que va ser una de les que va iniciar Eloís i que va proposar aquest col·loqui, i per tant doncs em fa il·lusió de fer-li un record en aquí emocionat per donar-li les gràcies. No ho sé, ja em sembla que dir-li al professor Marier que tenim ganes de sentir les seves paraules, tenim ganes de sentir el seu missatge i que per tant doncs li donem la paraula. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence, merci de votre invitation ce matin. Je suis particulièrement heureux de pouvoir participer à ce colloque international ici à Barcelone. Très heureux d'être accueilli dans une ville dont je sais qu'elle est particulièrement sensible aux questions éducatives, dans une ville dans laquelle je suis souvent venu travailler sur ces questions d'éducation, dans une ville qui porte et qui a porté depuis longtemps très haut la résistance à toutes les formes d'oppression, de domination, de tyrannie. La thématique qui nous est proposée ce matin et pendant tout ce colloque consiste à articuler trois termes qui ne sont pas faciles à articuler, qui sont les termes de pédagogie, de résistance et de démocratie. Comment articuler ces trois mots? Lequel mettre d'abord? Pédagogie, résistance, démocratie, résistance, pédagogie, démocratie. On peut combiner ces trois termes de plusieurs façons possibles. Et je vais essayer de le faire avec une entrée qui sera une entrée parmi d'autres. Mais auparavant et avant de commencer mon exposé, je voudrais le dédier et rendre hommage, au-delà des cinq grandes figures qui sont des figures catalanes et qui parrainent ce colloque, je voudrais rendre hommage à trois personnes qui me paraissent avoir été ici des personnes fondamentales et fondatrices et des militantes infatigable d'une éducation pour la démocratie. Ce sont trois femmes, et ce n'est pas rien que de proposer leur figure comme emblème de cette réflexion. Rosa Sensat, que je n'ai pas connue, Marta Mata, que j'ai bien connue et beaucoup aimée, et Irène Balaguer, qui nous a quittés il y a quelques mois. Ces trois femmes exceptionnelles incarnent pour moi la vertu
probablement la plus importante en éducation. Je les ai perçues, je les ai rencontrées pour deux d'entre elles, et j'ai pu observer à quel point elles incarnaient le courage. Ce courage dont le philosophe Vladimir Yankelevitch nous dit qu'il n'y a rien en amont, il est là. Il est là et il est là chez ceux et celles qui prennent l'initiative de s'engager, alors que d'autres sont dans le renoncement ou la résignation. Eh bien, Rosa Sensat, Martha Mata, Irène Balaguer n'étaient pas dans le renoncement, n'étaient pas dans la résignation. Elles se sont engagées, elles ont commencé. Quand Martha Mata a commencé à fonder Rosa Sensat, elle a posé un acte fort sous le franquisme. Elle a ensuite reposé cet acte à plusieurs reprises et les collègues de Rosa Sensat le reposent régulièrement, chaque jour et encore évidemment chaque année, à l'occasion de la fabuleuse école d'été qu'ils organisent. Ce sont trois femmes qui n'ont cessé de commencer à résister et à militer pour la démocratie. Yankelevitch nous dit, pour commencer, il faut seulement commencer, et l'on n'apprend pas à commencer. Pour commencer, il faut seulement du courage. C'est ce courage qu'elles ont incarné, et c'est ce courage auquel je voudrais rendre hommage ce matin, au début de cette intervention. Alors, quelques modestes réflexions pédagogiques et non historiques sur un vaste sujet. Alors, je voudrais tout de suite préciser que c'est bien des réflexions pédagogiques et non historiques. Je ne suis pas un historien, et je vais sans doute apparaître pour les historiens extrêmement simplificateurs, et ils auront de toute évidence une multitude de faits qui vont venir contredire toute une série de propositions que je vais vous faire. Il y a quelques mois, lors du colloque organisé à Dieulfi, dans la Drôme, en France, par Héloïse, autour du thème « Pédagogie et protestantisme », le grand historien du protestantisme, Patrick Cabanel, interpellait des pédagogues comme moi en expliquant que l'histoire était là pour empêcher les conceptualisations trop rapides, que l'histoire était là pour interdire les schématisations, pour interdire les facilités rhétoriques et pour introduire toujours une rigueur dans les faits qui viennent parfois nous obliger à ralentir notre frénésie conceptuelle. Eh bien, je ne suis pas historien, contrairement à Patrick Cabanel, j'explore l'histoire à ma manière et je vais l'explorer devant vous autour de ces thématiques pédagogie, résistance, démocratie. Trois parties dans mon propos ce matin. Une première partie où j'évoquerai, en m'appuyant sur un auteur américain, Neil Postman, la pédagogie comme résistance. Une seconde partie où je m'interrogerai sur au nom de quoi on peut résister. Et une troisième partie où j'esquisserai, mais je ne ferai que l'esquisser, ce sera développé dans les communications tout au long de ce colloque, comment on peut résister pour éduquer à la démocratie. La pédagogie comme résistance. J'ai rencontré ce terme et je dois à cet auteur d'avoir commencé à réfléchir à cette question dans l'œuvre d'un philosophe, ou plus exactement d'un sociologue des médias qui s'est adonné ensuite à une réflexion philosophique, Neil Postman. Neil Postman, qui a aussi été un grand chercheur en éducation, qui a publié un ouvrage extrêmement célèbre dans le monde entier, qui était un ouvrage très prémonitoire en 1985, puisqu'il critiquait la publicité et les médias, et que le titre de cet ouvrage avait été traduit à l'époque « Se distraire jusqu'à ce que la mort s'en suive ». Neil Postman, qui a écrit deux ouvrages successifs, deux ouvrages dont les titres me paraissent particulièrement intéressants, puisqu'en 1969, il publie avec un de ses collègues un ouvrage qui s'intitule « Teaching as a Subversive Activity ». Nous sommes un an après 1968 et il nous explique qu'enseigner est une activité subversive. Et puis 10 ans plus tard,
le même auteur, écrit un deuxième ouvrage qui aura aussi un succès considérable aux États-Unis, qui s'intitule « Teaching as a conserving activity », c'est-à-dire l'éducation comme activité conservatrice. Ouvrage qui a été traduit en France, en français, et préfacé par Daniel Hamlin et Jean-Didier Pifto. Alors, que nous dit Postman sur la résistance et la nécessaire résistance qui doit être présente au cœur de toute démarche pédagogique? Il nous dit d'abord qu'une pensée qui ne prend pas elle-même l'initiative de sa propre contestation tend toujours inévitablement vers la propagande. Il nous dit que la pensée doit introduire en permanence une sorte de subversion interne pour ne pas devenir dogmatique et même, il va au-delà, tyrannique. Il nous dit que l'éducation ne doit être ni inféodée à l'idéologie dominante de la reproduction sociale, bien dénoncée par les sociologues, ni simplement une subversion marginale pour quelques élus. Elle doit être un facteur, selon lui, d'écologie sociale, et il précise, selon un terme qu'il nous faut expliciter, elle doit être thermostatique. Thermostatique, cela veut dire, et il le montre à travers son ouvrage, que les grands courants éducatifs dans le monde ont été utiles aux sociétés dans lesquelles ils se sont développés, dès lors qu'ils ont fait exister dans ces sociétés des espaces susceptibles de contrebalancer les dérives de ces sociétés. Il nous montre que ce n'est jamais quand l'éducation va dans le sens de l'idéologie dominante d'une société qu'elle contribue à l'aider, cette société, mais au contraire quand elle rectifie les dérives de cette société. Ainsi explique-t-il, dans une société très largement dominée en France par la superstition, eh bien, Jules Ferry a eu le courage de résister et d'introduire le principe de laïcité. Dans une société américaine très largement dominée par le taylorisme, eh bien, Dewey a eu le courage, dit-il, de construire une pédagogie fondée sur le projet et l'engagement collectif des sujets. Et puis on peut décliner cela un peu au-delà. Dans une société corsetée, qui était la société victorienne du début du XXe siècle, eh bien, quelqu'un comme Alexander Sutherland Neill a eu le courage de faire exister un espace de rééquilibration par rapport à cela, qui était la société libertaire. Et aujourd'hui, dit-il, dans nos sociétés modernes, technologiquement avancées, mécanisées, numérisées sous le signe de l'anonymat, dans ces sociétés-là, l'éducation doit permettre l'accroissement du potentiel de riposte des personnes et des groupes à toutes les formes d'emprise. Au fond, ce que nous dit Postman, c'est qu'il y a dans la démarche éducative elle-même quelque chose qui relève de ce que Daniel Hamlin a appelé, à la fin de ses plus beaux ouvrages, l'insurrection. Quand Hamlin dit « l'éducateur est un insurgé », il ne supporte pas les défauts et les défauts exacerbés d'une société. Et il veut faire exister face à ces défauts autre chose, développer un autre espace, organiser, et c'est là le thermostat, ce qui va permettre peut-être à cette société de retrouver son équilibre. Alors je me suis appuyé sur cette thèse de Neil Postman pour chercher en quoi la pédagogie, et particulièrement la pédagogie de ce que nous appelons l'éducation nouvelle, dans laquelle s'inscrivent les 5 grands pédagogues catalans que nous allons travailler tout au long de ce colloque, je me suis inspiré de cette thèse pour m'interroger sur la pédagogie comme résistance, et en particulier dans ce courant de l'éducation nouvelle. Alors, dans ce courant de l'éducation nouvelle, on pourrait dire rapidement que la pédagogie est une résistance à une éducation qui ignore l'enfant comme personne. Il suffirait de rappeler ici, bien sûr, Korczak, le droit de l'enfant au respect. Korczak qui, pour la première fois, pose, et ce n'est pas quelque chose de simple,
que l'enfant est à la fois un être complet et inachevé. Complet et inachevé, ça demande d'aller bien au-delà des caricatures et des simplifications. L'enfant n'est pas un être achevé, il n'est pas un adulte, il doit être éduqué, mais il est déjà un être complet, ce qui veut dire quelque chose sur l'éducation qu'on doit lui donner. En tout cas, ce qui va à l'encontre d'une conception schématique de cette éducation qui ferait de l'enfant soit un adulte en miniature, soit un infant, celui qui ne parle pas. On pourrait imaginer aussi, bien sûr, de compléter cela. L'éducation nouvelle est résistance, elle est résistance à une certaine conception de l'organisation des systèmes éducatifs et de la classe. C'est ce que Claparède a appelé sa fameuse révolution copernicienne. On pourrait imaginer aussi que c'est une résistance, et freiner à cet égard ne fait rien d'autre que développer et exprimer à sa manière ce que disait Claparède quand il affirme que le centre de l'école n'est plus le maître, c'est l'enfant. Alors oui, l'éducation nouvelle replace l'enfant au cœur du système éducatif, au cœur du système scolaire, et ce n'est pas d'ailleurs tout à fait la même chose, nous y reviendrons peut-être. Pédagogie, résistance à un certain statut de l'enfant. Pédagogie et éducation nouvelle, résistance bien sûr à la barbarie de la guerre. L'essentiel des mouvements de l'éducation nouvelle, vous le savez, se sont développés dans la suite de la terrible guerre mondiale de 1914-1918. Le premier congrès de l'éducation nouvelle a lieu à Calais en 1921. Calais, qu'Henri Vallon, le grand psychologue français, mais aussi grand pédagogue, puisqu'il est l'auteur d'un projet de réforme du système éducatif français, qui n'a d'ailleurs jamais été appliqué, et que nous appelons le plan Langevin-Vallon. Henri Vallon disait, à propos de ce congrès de Calais, « Il semblait que pour assurer au monde un avenir de paix, rien ne pouvait être plus efficace que de développer dans les jeunes générations le respect de la personne humaine par une éducation appropriée. Ainsi pourraient s'épanouir les sentiments de solidarité et de fraternité qui sont aux antipodes de la guerre et de la violence. » Résistance à une conception étriquée de l'enfant, résistance à la violence et à la barbarie, mais peut-être, si on veut élargir un tout petit peu le propos, il me semble que ce mouvement de l'éducation nouvelle pourrait plus fortement encore s'inscrire comme une résistance à quelque chose qui a été pointé par Henri-Louis Gault dans son ouvrage sur Célestin Freinet, qui est la forme scolaire traditionnelle. Au-delà de la conjoncture de la Première Guerre mondiale, au-delà des événements particuliers qui l'accompagnaient, quand on regarde l'ensemble de ceux et celles qui ont milité autour de cette éducation nouvelle, je crois que ce qui les rassemble le plus, peut-être, c'est ce refus de ce que Adolphe Ferrière appelait l'école assise au profit de l'école active. Mais au-delà de cette opposition entre école assise et école active, c'est le refus d'une certaine conception, datée d'ailleurs, qui apparaît en France dans les années 1830, sous l'impulsion de François Guizot, enfin qui n'apparaît pas, mais qui est systématisée dans les années 1830, sous l'impulsion du ministre de l'époque, François Guizot, et qu'on intitule, qu'on appelle le modèle simultané. L'idée que l'on peut enseigner à 20, 30, 40 élèves de manière efficace, à condition qu'ils soient du même âge, du même niveau, et qu'ils fassent la même chose en même temps. Cette forme scolaire, 20 à 40 élèves du même âge, du même niveau, qui font la même chose en même temps, sous l'autorité d'un maître qui contrôle l'activité individuelle de chacun d'entre eux, cette forme scolaire-là me semble être, d'une certaine manière, ce à quoi résiste et ce contre quoi milite, au-delà des situations historiques que j'ai évoquées, l'ensemble de ces pédagogues de l'éducation nouvelle. Mais quand on les regarde d'un peu près, et encore un peu plus près, on va zoomer pour se rapprocher progressivement d'expériences très concrètes, on s'aperçoit que cette fonction commune de résistance, ce rejet de la forme scolaire, cette volonté de créer un monde de paix et de fraternité à travers l'éducation,
cette volonté de mettre l'enfant au cœur du système éducatif, elle s'exprime chez ces militants de l'éducation nouvelle, mais elle s'exprime avec des projets divergents. Je n'ai pas le temps, bien sûr, de détailler ces divergences, mais en préparant cette intervention, j'ai eu la curiosité de relire deux ouvrages. Un ouvrage sur l'école des Roches, qui a été créé en 1899 par Edmond de Molins en France, et un ouvrage sur une autre école qui a été créée 5 ans plus tard, qui est l'école de la Ruche, qui a été créée par Sébastien Faure, un anarchiste libertaire. Alors, c'est très intéressant parce que ces deux ouvrages qui dépeignent ces deux écoles ont été publiés à quelques années près. C'est très intéressant parce que ces deux écoles ont été fondées par des personnages emblématiques. L'école des Roches est fondée par Edmond de Molins, qui est un disciple d'un économiste français qui s'appelle Le Play, et d'un ecclésiastique, l'abbé de Tourville, qui se définissent eux-mêmes comme contre-révolutionnaires, corporatistes, familialistes, organicistes et profondément religieux. Ce sont des gens qui créent une école nouvelle au nom d'une idéologie qui n'a rien à voir avec une idéologie libertaire, qui est une idéologie extrêmement, que nous dirions aujourd'hui, conservatrice, voire réactionnaire, qui fait par exemple du modèle familial et du refus de l'État la caractéristique fondamentale d'un système éducatif qu'ils veulent progressiste. À titre illustratif, je pourrais vous citer cette phrase de Edmond de Molins, le fondateur de l'école des Roches, qui critique très violemment les systèmes éducatifs nationaux, en France l'éducation nationale, et qui dit de simples particuliers, de simples pères de famille doivent créer tant l'initiative individuelle et privée est 100 fois plus forte, 100 fois plus souple et alerte, parce qu'elle n'est pas dominée, réglementée par une hiérarchie compliquée au sommet de laquelle se trouvent des vieillards, vénérables sans doute, mais obstinément tournés vers le passé, l'éducation nationale. De Molins, au fond, récuse l'idée qu'il puisse y avoir un État qui s'occupe d'éducation. Il revendique l'initiative collective, familiale, et il fait de cette initiative le gage d'un progrès en matière éducative. Sébastien Faure, au contraire, est un disciple de Paul Robin, c'est un anarchiste qui avait fondé quelques années plus tôt l'orphelinat de Sans-Puits, avec la bénédiction d'ailleurs de l'école de la République, de Ferdinand Buisson, qui était le directeur de l'enseignement scolaire en France à l'époque, disciple aussi de Jean-Gabriel Prévost, qui est également un anarchiste libertaire, athée, déclaré athée, et Sébastien Faure explique lui que s'il est là dans une situation d'école entre guillemets privée, ce n'est pas parce qu'il récuse la légitimité de l'enseignement public, au contraire, il exige, dit-il, que l'enseignement public soit un enseignement émancipateur. En revanche, il constate que pour le moment, il ne l'est pas. Et s'il crée une école privée, c'est parce qu'il veut faire progresser par la marge, il veut faire progresser par cette initiative l'école publique tout entière. On a là donc deux inspirations philosophiques radicalement différentes. Edmond de Molins ne cesse dans ses écrits de stigmatiser les enseignants de l'enseignement public en les traitant de tous les noms et en les considérant comme des conservateurs définitivement enquistés dans leurs habitudes, alors que Sébastien Faure ne cesse de faire l'éloge des enseignants, des prolétaires enseignants, dit-il, de l'enseignement public, en les considérant au contraire comme des pionniers empêchés par un État capitaliste, par un État basé sur le profit, la hiérarchie et le pouvoir d'une minorité, empêché de réaliser la tâche émancipatrice qui revient au grand système scolaire. Alors néanmoins, en dépit de ces deux idéologies extrêmement divergentes, eh bien, il y a des points communs. Il y a des points communs que certains pourraient considérer comme la matrice même de l'éducation nouvelle. Dans les deux cas, l'école est à la campagne. Dans les deux cas, on fait l'éloge des bienfaits du grand air, des promenades, du sport. Dans les deux cas, on parle d'éducation intégrale, avec évidemment des significations très différentes. Dans les deux cas, on parle de la formation du caractère. Et dans les deux cas, on insiste très longuement, et cela
prend de très nombreux chapitres dans les ouvrages considérés sur l'importance des méthodes actives et de la démarche inductive contre toutes les formes d'enseignement magistral. Alors, quand on regarde après, en détail, le fonctionnement de ces écoles, on va s'apercevoir qu'effectivement, il y a des différences significatives. Dans l'école des Roches, il y a des ateliers d'art et de travaux manuels, la plupart du temps animés par des artistes. Dans l'école de la Ruche, il y a une activité productive, les élèves produisent, ils fabriquent des tabourets, ils fabriquent des tables, ils produisent aussi des produits agricoles, il y a une ferme, et tout cela contribue à faire vivre l'école. On est donc dans deux conceptions de l'activité relativement différentes. Dans le premier cas, on pourrait la considérer comme à dominante artistique, dans le second cas, comme à dominante productive. Dans l'école des Roches, il y a une hiérarchie stricte des responsabilités, et Berthier, qui a dirigé longtemps l'école des Roches après de Molins, explique que le principe de l'école des Roches est d'organiser une société bien ordonnée. Dans l'école de la Ruche, eh bien, il n'y a aucune hiérarchie, aucun classement entre les élèves, et on se veut la préfiguration d'une société égalitaire. Dans l'école des Roches, il y a une éducation religieuse et morale extrêmement stricte. Dans l'école de la Ruche, un athéisme revendiqué. Dans l'école des Roches, il y a un refus de se compromettre, je le disais tout à l'heure, avec l'enseignement public, condamné au formatage. Dans l'école de la Ruche, il y a une volonté de s'intégrer à l'enseignement public. L'école des Roches est bien évidemment payante, elle est extrêmement chère. La Ruche est une école gratuite qui vit sur les ressources produites par l'activité des élèves eux-mêmes et sur les dons que fait Sébastien Faure, qui restera jusqu'à la fin de sa vie un conférencier extrêmement prisé, qui demandera très cher pour ses conférences, pour pouvoir faire vivre précisément cette école de la Ruche et la faire vivre sans demander aux enfants et à leurs familles de payer la moindre scolarité. Nous sommes là devant une opposition qui doit, à mon avis, nous faire réfléchir et nous permettre d'aller un peu au-delà des simplifications autour de l'école nouvelle, école de l'activité, école nouvelle, école de l'enfant dans la nature. Regardons aussi quel projet de société il y a derrière et quel type d'activités concrètes sont mises en œuvre. Pour ma part, j'ai fait cela d'une manière plus générale, au-delà de ces deux exemples qui mériteraient bien sûr des analyses beaucoup plus poussées. J'ai fait cela sur une question qui m'a préoccupé pendant de très nombreuses années et qui a été l'objet de mes premiers travaux de recherche, qui est la question du travail en groupe. J'ai observé, à la fois chez les auteurs et dans les pratiques pédagogiques, quelle était la signification et quelle était la perspective du travail en groupe. On met des élèves à travailler en groupe en permanence dans l'éducation nouvelle. On les met à travailler en groupe pour réaliser un panneau, pour monter une pièce de théâtre, pour travailler au potager. On les met en groupe en permanence. On lutte contre la segmentation, l'isolement produit par le travail individuel, taylorisé, contre lequel on se révolte. Et j'avais montré, mais il y a de cela déjà quelques années, que ce travail en groupe chez les auteurs, comme dans les pratiques, pouvait renvoyer à deux perspectives radicalement différentes. On pouvait imaginer que ce travail en groupe, et c'est le cas chez par exemple un homme comme Adolphe Ferrière dans son livre sur les communautés d'enfants, est une sorte de préfiguration de la division sociale du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Quand on met des gens à travailler ensemble, eh bien, les plus doués conçoivent, ceux qui sont de bons exécutants exécutent, ceux qui ne savent rien faire, eh bien, regardent les autres et sont contents de les voir travailler pour pouvoir s'identifier dans le produit qu'ils réalisent. Et il y a quelques gêneurs que l'on va tenter de donner au groupe d'à côté. Adolphe Ferrière est une figure emblématique de cela. On voit chez lui d'ailleurs converger ce que j'appelle un spontanéisme organiciste. Le groupe est une sorte d'organe qui spontanément va permettre à chacun de trouver sa place, la fameuse métaphore de Spartacus, et une vision qu'on pourrait appeler libérale de l'organisation sociale. J'ai mis le mot libéral entre guillemets, il y a beaucoup de débats aujourd'hui autour de ce terme.
je l'emploie au sens le plus simple, c'est-à-dire au sens de la fable des abeilles de Mandeville, au sens d'Adam Smith. C'est quelqu'un aussi, on l'oublie parfois quand on parle d'Adolphe Ferrière, qui, en 1942, va publier un ouvrage très curieux qui s'appelle « Vers une classification astrologique des types psychologiques », ouvrage dans lequel il va nous montrer que, au fond, chacun des individus est prédestiné en fonction des signes astrologiques qui président à sa naissance. C'est très curieux de voir cela. Il le publie dans une petite édition, Les Cahiers astrologiques à Nice. En 1942, la date n'est pas insignifiante. Hein. Certes, en zone qui n'est pas encore occupée, mais à une époque où les thèses de Albert Hütte, le célèbre psychopédagogue allemand, qui mesurait l'intelligence des gens à partir de leur embonpoint et de leur physique, hein, qui considérait, vous savez, Albert Hütte, que les élèves longiformes étaient faits pour étudier les mathématiques et que les élèves un peu enveloppés étaient faits pour étudier les lettres, hein, dans une forme de prédestination tout à fait schématique. Hein. Il avait fait cela sur des générations et des générations, disait-il, de jeunes bavarois et bavaroises qui avaient validé son analyse. Eh bien, on voit bien que Ferrière est à peu près dans la même perspective, puisqu'il souligne que, au-delà de l'hérédité, au-delà de la famille, au-delà de ce qu'on appellerait les talents, eh bien, c'est l'ascendance astrologique qui définit la place de chacun dans une société bien organisée. Nous sommes donc là dans une conception extrêmement fixiste de l'éducation. À ce moment-là, eh bien, il y a une liberté en termes pédagogiques d'organisation et une exigence sur la qualité de la production collective pour que chacun trouve sa place. Et c'est le leitmotiv, que chacun trouve sa place. Il faut que chacun trouve sa place. Peu importe la place, il y aurait une sorte de place qui serait réservée à chacun dans une sorte de configuration qui serait une configuration idéale où il y aurait les maîtres, les serviteurs et où tout cela ferait une société qui serait une société ordonnée, une société qui serait une bonne fois vaccinée contre toutes les formes de subversion et de révolution. Il y a là quelque chose hein, qui me semble au cœur de cette conception du travail de groupe. Alors, ce que j'avais pu montrer à l'époque, c'est que cette conception du travail de groupe, telle qu'on la trouve théorisée dans certains écrits de Ferrière, pas dans tous, cette conception du travail de groupe, elle est encore très largement dominante dans des pratiques pédagogiques. C'est-à-dire que des enseignants, mais aussi des formateurs d'adultes se satisfont parfaitement d'un fonctionnement groupal au sein duquel il y a une division du travail entre ceux qui dirigent, ceux qui exécutent les petites mains, comme nous disons, ceux qui ne font rien, et ceux que l'on tente d'envoyer travailler ailleurs. Et j'ai même réalisé une étude sur une organisation syndicale d'enseignants qui affiche ses caractéristiques et ses finalités autogestionnaires et qui, avec beaucoup de vigueur, explique que l'autogestion et l'égalité de tous et de toutes est la base de son idéologie et de son militantisme. Et j'ai pu montrer que quand ces gens-là étaient amenés à travailler ensemble, eh bien, sans aucun problème et sans aucune interrogation sur leur mode de fonctionnement, ils reconstituaient spontanément et en l'espace de quelques minutes la division du travail entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs, et cela sans percevoir le moins du monde la contradiction entre leur idéologie affichée et leurs pratiques effectives. Alors on a là une conception qui existe dans la pédagogie et on la voit à l'œuvre encore, y compris dans un certain nombre de pratiques de classe. Et puis on a en face, mais je caricature évidemment, et les historiens chinoiseront, enfin, iront chercher des détails ou des éléments qui contredisent cela, il y a en face une autre conception où le travail de groupe serait plutôt une sorte de promotion de chaque sujet dans un collectif qui serait solidaire et à terme égalitaire. Alors la figure emblématique ici, ça pourrait être Joseph Jacotot, hein, et en particulier cet homme qui a fait converger cette égalité de principe des intelligences, hein, tous les êtres sont également intelligents, dit Jacotot, et cette vision solidariste ou coopérative de l'organisation sociale.
C'est quelqu'un qui postule l'égalité entre toutes et tous et l'éducabilité de chacun et de chacune avec la confiance dans la possibilité de s'exaucer au-dessus de toute forme de prédestination. Il n'y a pas de prédestination. C'est quelqu'un, et c'est Jacques Rancière, au sujet de Jacques Otto, qui développe remarquablement cela, c'est quelqu'un qui combine une contrainte dans l'organisation et une exigence dans l'investissement et sur l'investissement de chacun. La définition que donne Rancière de la pédagogie de Jacques Otto et d'une situation pédagogique chez Jacques Otto, c'est, dit-il, quand la volonté obéit à une autre volonté, l'intelligence, n'obéit qu'à elle-même. Quand une volonté obéit à une autre volonté, l'intelligence n'obéit qu'à elle-même. C'est ça l'éducation émancipatrice. C'est-à-dire, je vais demander à un enfant ou à un adulte d'effectuer une tâche, ma volonté s'impose à sa volonté, mais dans la manière dont il va effectuer cette tâche, l'intelligence du sujet n'obéira qu'à elle-même, et à ce moment-là, puisque tous les êtres sont également intelligents, ils accéderont tous également à l'ensemble des savoirs. Là encore, on trouve chez un certain nombre de textes, dans un certain nombre de textes, des explications assez fines de cette postulation. On pourrait s'amuser, mais je n'ai pas le temps de le faire avec vous, de regarder dans les textes de Piaget parus dans l'Encyclopédie française en 1935, les textes de Piaget sur le travail de groupe. On pourrait distinguer assez bien cette perspective-là. Alors, Daniel Hamelin nous a dit, et d'autres aussi, que ces textes de Piaget de 1935 étaient probablement essentiellement des textes conjoncturels que Piaget avait écrits pour s'emparer du Bureau international de l'éducation et qu'ils n'étaient pas nécessairement complètement convergents avec ses travaux scientifiques effectués par ailleurs. C'est-à-dire que Piaget est aussi un idéologue de l'éducation nouvelle, en plus d'être un scientifique et un chercheur en psychologie cognitive. Et entre les deux, il jongle parfois au gré des circonstances. Mais on voit quand même que dans ses textes de 1935, il a une conception du travail de groupe qui est très proche de celle de Jacques Otto et qui est radicalement à l'opposé. Si j'avais le temps, je vous montrerai les textes et je vous les passerai quasiment face à face de ce qu'écrivait Ferrière à la même époque. Et les deux hommes étaient évidemment très proches, proches au moins géographiquement. Je ne sais pas, on nous dira, nos jeunes voix nous dirons s'ils étaient proches aussi intellectuellement et s'ils collaboraient ensemble régulièrement, je ne le crois pas. Mais en tout cas, ils étaient proches géographiquement, et ils ne pouvaient pas ne pas connaître les conceptions qu'ils développaient en termes de préfiguration sociale chaque fois qu'ils proposaient des travaux de groupe. Alors, si je me suis permis de vous dire cela, c'est pour en arriver à l'idée que définir la pédagogie simplement comme une résistance ne suffit pas, y compris comme une résistance à la forme scolaire. Et je vais tenter d'aller plus loin avec vous en faisant l'hypothèse qu'il faut creuser un petit peu plus ce que c'est que la réflexion pédagogique. Il faut faire un pas de côté, se dégager d'une lecture naïve des textes et d'une observation que j'appellerais plate des expériences pédagogiques, où on dit simplement « là, les élèves travaillent en groupe ». Voilà. Donc c'est de la pédagogie nouvelle, émancipatrice, parce qu'à côté, c'est des cours magistraux. Donc d'un côté, il y a des cours magistraux, de notre côté, des élèves qui travaillent en groupe, d'un côté, il y a une bonne pédagogie, de l'autre côté, une pédagogie archaïque ou traditionnelle, etc. Tout ça me paraît une observation assez plate et une manière assez plate de regarder à la fois les doctrines et les pensées pédagogiques et les pratiques pédagogiques. Il me semble que ce qui serait intéressant, ce qui est intéressant, et ce que j'ai essayé de faire à plusieurs reprises dans mes travaux, c'est de traquer la résistance non pas de la pédagogie A, mais dans la pédagogie, et de montrer que c'est au sein même des discours pédagogiques qu'il y a ce que j'ai appelé le moment pédagogique, c'est-à-dire le moment où quelqu'un qui développe une pratique va se trouver confronté à des situations où cette pratique va être mise en échec et va devoir réélaborer à la fois sa théorie et sa pratique pour sortir de ces principes dogmatiques et mettre en place quelque chose qui ressemble un peu à ce que Machado, vous connaissez tous le poème, c'est en cheminant qu'on fait le chemin. Caminando no hay camino, vous connaissez bien cela. Si l'on prend cette perspective-là,
que pour ma part, j'ai découverte essentiellement à travers l'œuvre d'un instituteur français peu connu, je pense, ici en Catalogne, qui s'appelle Albert Thierry, dans un livre superbe qui s'appelle « L'école en proie aux enfants », « L'homme en proie aux enfants », pardon. Si on prend cette perspective-là, alors il faut faire un travail que j'appelle épistémologique, en analysant le discours et les pratiques pédagogiques, non pas avec une vision naïve et plate, mais en traquant dans ce discours et dans ces pratiques les tensions fondatrices, génératrices d'inventivité. Et j'en viens à ma deuxième partie, résister au nom de quoi ? La résistance me semble à chercher au cœur de la pédagogie, chaque fois que, comme le dit Daniel Hamlin, le discours pédagogique bute sur des vérités contradictoires. Le terme de vérité contradictoire est difficile à accepter. Comment deux choses peuvent-elles être vraies et contradictoires ? C'est compliqué. En science, c'est impossible. Mais Pascal nous a dit que l'humaine condition, il reprenait là le syntagme de Montaigne, eh bien, était liée à ces contradictions. J'ai beaucoup appris de Daniel Hamlin, et en particulier quand celui-ci fait remarquer que tout discours pédagogique comporte toujours ces deux facettes profondément liées, mais profondément contradictoires, et qui sont vraies à la fois, dit Daniel Hamlin. La première, il la formule en reprenant une phrase de Paul Ricoeur, qui dit « Tout autodidacte est un imposteur, nous apprenons toujours de quelqu'un, nous ne pouvons pas inventer le savoir ». Ça n'est pas possible. Il y a une sédimentation des connaissances tellement importante que nous avons besoin d'un acte de transmission. Il n'y a pas d'autodidaxie. Mais en même temps, dit Daniel Hamlin, en face, il est vrai aussi et en même temps qu'on apprend bien que ce que l'on apprend soi-même. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Hamlin le souligne à plusieurs reprises dans toute son œuvre, nous n'avons pas et nous ne pouvons pas choisir entre ces deux vérités contradictoires. Ces deux vérités contradictoires, elles résistent l'une et l'autre. Et ce qui va se passer, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que chaque fois que l'on essaye de n'en tenir qu'une, la résistance de l'autre va la mettre en échec. Chaque fois que l'on va être sur l'hégémonie du principe de transmission, du principe d'éducabilité, eh bien, on va se trouver confronté à une sorte de béance, qui est que ce principe ne peut pas être mis en œuvre si on ne reconnaît pas la liberté d'apprendre. Et chaque fois que l'on s'attache au principe de la liberté d'apprendre, on est confronté à une contradiction interne, c'est que ce principe est un principe vide s'il ne s'appuie pas sur la transmission. Je vais très vite, j'irai aux exemples ensuite. L'éducabilité de tous, la transmission, la nécessité de transmettre, elle porte évidemment de graves dangers. Nous le savons, transmettre tout à tous, comme le disait Comenius, j'y reviendrai dans un instant, c'est prendre le risque de l'autoritarisme, de la normalisation, du dressage, de la manipulation, de l'emprise, de l'assujettissement, de la tyrannie. Hein, et on connaît tout cela, hein, au nom de la transmission, au nom de l'efficacité de la transmission, tous ces dangers nous guettent toujours. Mais au nom de la liberté d'apprendre, eh bien, on est guetté par d'autres dangers. Le naturalisme, hein, naturalisme spontanéiste, une sorte de liberté du vide, la liberté d'apprendre, mais si on ne sait pas ce qu'il faut apprendre et comment apprendre, et si on n'a jamais rencontré les savoirs, de quelle liberté d'apprendre parle-t-on ? On donne aussi libre cours aux inégalités. Il est bien évident que si on promeut la liberté d'apprendre à tout prix, ceux qui savent qu'il est bon d'apprendre et qui ont déjà été confrontés aux apprentissages seront bien évidemment les premiers à bondir sur de nouveaux apprentissages. Et puis la liberté d'apprendre, c'est à terme l'abandon du commun et l'assomption d'une forme d'individualisme. Chacun apprend ce qu'il veut au moment où il le veut et comme il le veut. Alors, face au danger de l'éducabilité, il faut résister en introduisant le principe de liberté. Et face au principe de liberté, il faut résister en introduisant le principe d'éducabilité. Alors un exemple,
et je vais le prendre chez un pédagogue qui ne fait pas partie en termes temporels hein, de l'époque que nous étudions ensemble, qui est Comenius. Hein. Comenius, omnes omnia omnium, il faut que tout le monde connaisse tous les savoirs. Hein, la grande didactique, l'éducabilité universelle. J'ai là un texte de Comenius qui, aujourd'hui, évidemment, serait tout à fait étonnant, où il compare le maître, il dit que la seule comparaison possible pour le maître, c'est le soleil. Hein, le maître, c'est le soleil. Et il décline à travers cela ce qui caractérise les fonctions du maître. Le maître soleil doit avoir un enseignement simultané, collectif, homogène. Il dit, vous le savez, que le nombre d'élèves dans la classe n'est jamais, bien au contraire, un handicap, puisque Comenius explique que plus il y a d'élèves dans la classe, plus les élèves attacheront d'importance à ce qui est dit, et que donc on a tout intérêt à en mettre le plus grand nombre possible, ce que d'ailleurs un certain nombre de psychologues au XXe siècle, psychologie sociale, ont théorisé sous la forme de facteurs d'ancrage, en disant quand on parle à une foule, l'existence même de la foule donne du poids à ce que l'on dit, beaucoup plus que si on n'est que trois personnes qui discutons entre amis à la terrasse d'un café. Bon, mais Comenius disait déjà cela, il disait il faut des classes très nombreuses, les plus nombreuses possibles. Il disait même, à l'inverse de ce qu'on dit aujourd'hui, écoutez bien, il faut un maître dans chaque école et un seul. Si l'on n'y arrive pas, on mettra un maître dans chaque classe. Hein ? Donc, il est pour mettre un seul maître dans l'école, parce qu'il y a une parole et une seule, c'est le soleil. Et si on n'y arrive pas, on va mettre des maîtres dans chaque classe. Aujourd'hui, on serait plutôt dans l'hypothèse inverse. Hein ? On met un maître dans chaque classe, et puis il faut mettre de plus en plus de maîtres face aux élèves. Et donc, Comenius a une vision de l'enseignement qu'on pourrait appeler extrêmement rigide, en même temps qu'elle est très progressiste, hein, puisqu'il est l'auteur de livres comme La Porte des Langues, etc., qui sont des livres qui sont censés faire apprendre l'ensemble des langues à l'ensemble des sujets et des individus de la planète. Mais j'ai retrouvé, chez Comenius, j'ai retrouvé une dédicace de la dernière édition de son vivant de la Grande Didactique. Alors là, c'est très intéressant, parce qu'on voit que le maître tout-puissant, le maître du soleil, celui qui a expliqué qu'il fallait le moins de maîtres possible, le plus autorité possible, une seule méthode homogène, etc., etc. Dans la dernière édition de la Grande Didactique, il a cette dédicace. Alors, je l'ai mise intégralement. Aux enfants de la fraternité morave. Alors, si nous avions des collègues comme Loïc Chalmen, ils nous expliqueraient l'importance de la fraternité morave dans l'histoire de la pédagogie, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Nous, hommes d'âge mûr, persuadés que seuls nous étions des êtres raisonnables, nous vous avons traités comme des petits singes. Il parle de sa propre vie, de son propre travail. Nous pensions avoir seuls le privilège du savoir et de l'action, et vous étiez pour nous des insensés privés de l'usage de la parole. Désormais, c'est à votre école que nous serons envoyés. C'est vous qui serez nos maîtres, vos actions nous serviront d'exemple et de modèle. Voilà un des derniers textes écrits par Comenius. Celui qui n'a cessé de dire que l'élève était un être passif dans une classe la plus nombreuse possible et recevait un enseignement homogène dans lequel l'individu n'avait pas sa place. Eh bien, il finit en nous expliquant ceci. Et puis on pourrait, à l'inverse, et je prends là volontairement un être, quelqu'un que vous connaissez, Korczak, qui est le théoricien des droits de l'enfant, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le droit de l'enfant au respect », Korczak qui écrit « Nous devons en finir avec le despotisme des adultes sur les enfants », qui écrit « L'enfant a le droit de vivre sa vie aujourd'hui, il a le droit à être ce qu'il est et non ce que je voudrais qu'il soit ». Bon, Korczak qui écrit cela, hein. Korczak qui, simultanément, ne cesse de faire l'éloge des belles contraintes, qui sont celles qui vont permettre à l'enfant de se dégager de son impulsivité, d'accéder à la réflexion, à l'écriture, au débat démocratique, de se dépasser et de s'exaucer au-dessus de son présent. Il ne cesse aussi de souligner l'importance du nourrissage culturel et de le pratiquer inlassablement, y compris à travers la littérature de jeunesse qu'il écrit lui-même, d'ailleurs. Donc,
on voit qu'un être comme Comenius, le partisan du modèle académique le plus traditionnel possible, finit par dire « mettons-nous à l'écoute des enfants », et un être qui dit « mettons-nous à l'écoute des enfants, droit de l'enfant au respect », ne cesse de dire « mais attention, le respect, ça n'est pas l'absence de contraintes, le respect, c'est aussi le fait d'inscrire dans l'acte éducatif lui-même ce qui permet à l'être de grandir ». Alors, il y a un pédagogue peu connu, ici, je pense, mais qui a, à mon avis, particulièrement bien réussi à articuler d'une façon extrêmement habile ses contradictions et ses difficultés. C'est un pédagogue français qui s'appelle Fernand Deligny, qui a commencé dans la mouvance de l'éducation populaire après la Deuxième Guerre mondiale et qui a terminé en s'occupant des enfants autistes dans les Cévennes. Deligny qui dit, alors je vais revenir en arrière parce que on va prendre les choses dans l'ordre, tu n'obtiendras rien de la contrainte, tu pourras à la rigueur les contraindre à l'immobilité, au silence, et ce résultat durement acquis, tu seras bien avancé. Bon, c'est une formulation traditionnelle, et on pourrait dire quasiment automatique de ce qu'on appelle, de façon générique et très large, l'éducation nouvelle. Mais on trouve des textes différents chez Deligny. On trouve par exemple ce texte où il parle d'un enfant qui s'appelle H, alors appelons-le Arthur ou ce que vous voulez. H a été mis au monde par sa mère, élevé par sa tante, puis par sa cousine, placé dans une grande ferme, repris par ses grands-parents pour t'arriver frais sorti de prison. Et tu accuses la société ? Quand tu connaîtras H, tu seras plein d'indulgence pour la mère, la tante, la cousine, le fermier, le grand-père et le directeur de prison, bien sûr. Ce qui n'excuse pas la société. Mais attends, attention, dit Deligny, ne tombons pas dans la naïveté qui consisterait à dire que tous les enfants sont naturellement des êtres bons, faciles, généreux, qu'il suffit de regarder d'une manière bienveillante pour qu'ils se développent en toute liberté et qu'ils deviennent des citoyens d'une démocratie de manière spontanée. Et Deligny, qui, dans un de ses derniers textes, reprend cette idée-là qu'il va essayer de faire vivre avec les autistes avec lesquels il va travailler, il faut savoir ce que tu veux. Si c'est te faire aimer d'eux, apporte-leur des bonbons. Mais le jour où tu viendras les mains vides, ils te traiteront de grand dégueulasse. Si tu veux faire ton travail, apporte-leur une corde à tirer, du bois à casser, des sacs à porter. L'amour viendra peut-être ensuite, mais là n'est pas ta récompense. Il y a là quelque chose de fort chez Deligny, qui est de mettre finalement l'activité, mais pas n'importe quelle activité. C'est pas une conception naïve de l'activité. C'est une conception construite de l'activité et de l'activité comme résistance, justement. Alors, on pourrait conclure, et je vais le faire très vite, en disant que c'est en résistant aux écueils symétriques de l'éducabilité à tout prix qui se fait dressage et de la liberté du vide qui se fait une sorte de spontanéisme naturaliste que le pédagogue est amené à inventer, à proprement parler, du pédagogique. L'hypothèse que je formule devant vous, c'est que c'est parce qu'il est confronté à cette opposition, parce qu'il est confronté à cette tension, qu'il invente du pestalogique, je vous fais un mot à partir de pestalozzi et pédagogique, c'est très beau d'ailleurs, je le reprendrai parce que je l'ai improvisé là, mais je le trouve assez joli. On trouve cela évidemment chez Rousseau, d'une manière à mon avis insuffisamment explicite, quand il dit « jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien ». De tout faire, donc assumer l'autorité, mais en ne faisant rien, en laissant l'autre agir. C'est la même chose que Jacotot, une volonté qui obéit à une autre volonté quand l'intelligence n'obéit qu'à elle-même. On trouve ça évidemment dans la magnifique lettre de Starnes de Pestalozzi, on trouve ça dans le poème pédagogique de Makarenko, bien sûr, on trouve ça, c'est Célestin Freiné, avec le texte libre, l'imprimerie, les brevets, les fichiers autocorrectifs, c'est-à-dire avec cet aller-retour, hein, texte libre, chacun écrit, mais Freiné découvre très vite qu'il y a des choses que certains ne peuvent pas écrire, donc il introduit la contrainte de l'imprimerie, mais l'imprimerie elle-même génère la division du travail, donc il découvre, j'ai trouvé ça dans la correspondance de Freiné que sa fille Madeleine Benz m'avait
proposé de lire. Il découvre qu'une petite fille, au tout début de sa carrière, ne participe pas à l'activité collective, qu'elle est exclue et que même la classe exige son exclusion, parce que dès qu'elle participe à l'imprimerie, cette petite fille, elle met la pagaille, elle casse tout. Elle met de l'encre partout, elle met ses doigts dans l'encre, elle les met contre le mur. Donc la classe serait très favorable à exclure cette petite fille. Et Freiné va essayer de travailler à ce moment-là, et c'est ce moment-là précisément où il va aller chercher dans le scoutisme le système des brevets. C'est-à-dire il va aller chercher un système qui permet à cette petite fille de réintégrer le groupe en ayant appris un métier par un brevet dans le groupe, c'est-à-dire de sortir de la division naturelle du travail pour rentrer dans une forme d'éducation où chacun peut occuper un peu au-delà d'une place. On a là une pédagogie, évidemment, différente, celle que formule Cornelius Castoriadis, et je vais bientôt terminer, ne vous inquiétez pas, quand il dit que l'objectif de l'éducation dans une démocratie, c'est de construire des dispositifs dont l'intériorisation par le sujet ne limite pas, mais élargit ses capacités à devenir autonome et à participer à un projet collectif de manière démocratique. Construire des dispositifs, c'est une politique volontariste. On construit des dispositifs, on ne laisse pas faire n'importe quoi. Mais des dispositifs dont l'objectif est de développer les capacités à devenir autonomes et à participer à un projet collectif. Alors, quelques remarques extrêmement rapides pour conclure. À partir de là, j'ai pu vous apparaître très loin des thématiques qui sont les votes pour ce colloque. Je vais les réinvestir sous forme de pistes, mais pas les explorer, puisque le colloque va les explorer. Le nœud de la pédagogie comme théorie pratique, au sens où le dit Durkheim, mais au sens où le rappelle Jean Housset, ce que rencontre le pédagogue en proie aux enfants, comme Albert Thierry, c'est l'articulation entre l'éducabilité et la liberté. Je veux éduquer, mais en même temps, je ne peux pas éduquer l'autre sans qu'il participe à sa propre éducation. Je dois transmettre la culture et je dois aussi être dans un processus où l'individuation de l'autre est forte et l'emporte. Je dois à la fois transmettre et émanciper, rien n'est plus difficile. Transmettre pour construire de l'unité, émanciper pour permettre à chacun d'exister en tant que sujet. Alors là, nous sommes devant un paradoxe de toute démocratie, bien sûr. C'est que la démocratie rend la question de l'éducation fondamentale, dans la mesure où elle suppose que chacun a été confronté à des situations où il a pu apprendre à oser penser par lui-même, comme dit Kant. Mais en même temps, la démocratie, elle émerge au moment de l'effondrement des sociétés holistiques, comme le dit le sociologue et philosophe Marcel Gaucher. Et l'effondrement des sociétés holistiques, c'est l'effondrement des catéchismes éducatifs. C'est l'effondrement de toute verticalité éducative. Et quelqu'un comme Guy Coq, le philosophe français, a pu montrer que le paradoxe de la démocratie, c'est qu'elle exigeait plus d'éducation en même temps qu'elle apparaissait ruiner la possibilité d'éduquer. Parce que la possibilité d'éduquer est liée à un projet éducatif consensuel et que précisément la démocratie, parce que chacun est libre d'avoir un projet éducatif spécifique, ruine d'une certaine partie la possibilité d'un projet éducatif consensuel. On a donc cette terrible contradiction démocratique où on a besoin d'éduquer plus, mais on ne sait pas à quoi éduquer, puisqu'il n'y a pas de projet vertical qui s'impose aux sociétés démocratiques, et que ce sont ces sociétés démocratiques qui doivent donc construire leur projet éducatif, ce que, évidemment, ne faisaient pas aussi bien les sociétés théologiques traditionnelles que l'URSS de Staline ou l'Iran de Khomeini. La perspective, donc, c'est d'articuler l'impératif kantien, ose penser par toi-même, avec la formation du commun, c'est-à-dire avec un projet collectif dans lequel s'inscrit ce « ose penser par toi-même ». Donc articuler le « ose penser par toi-même » avec ce qui réunit et ce qui finalise. Je termine, et vous allez voir que cela ouvre des perspectives, mais plus que cela donne de réponses. Articuler le sapere aude de Kant, ose penser par toi-même, qui est plus que jamais nécessaire dans un contexte civilisationnel qui est marqué par un changement du statut de l'enfant dans la configuration familiale. Je ne vais pas revenir ici sur ce point-là, mais
l'enfant qui aujourd'hui doit faire le bonheur de ses parents. C'est plus les parents qui font le bonheur de l'enfant, c'est l'enfant qui fait le bonheur de ses parents, donc qui dispose d'un pouvoir considérable, puisqu'il a, il va pouvoir dire à ses parents « je t'aime ». Moi, mes parents n'ont jamais exigé de moi que je les aime. Hein ? Exiger de ses enfants qu'ils nous aiment est une préoccupation de l'hypermodernité. Ce n'est pas du tout quelque chose qui transcende les civilisations. Et dès lors qu'on donne à l'enfant le pouvoir de nous dire « je t'aime », c'est-à-dire de choisir celui qu'il aime le plus, eh bien, on lui donne le pouvoir sur nous, hein, puisque pour être aimé, on est prêt à faire n'importe quoi pour lui. La montée en puissance de ce que Bernard Stiegler appelle le capitalisme pulsionnel, c'est-à-dire une société marchande où le caprice est mondialisé et où on susurre en permanence à l'oreille des enfants « fais ton caprice, ça fait marcher le commerce », l'émergence aussi de la post-vérité et des théories du complot. Nous avons travaillé l'an dernier sur la théorie du complot avec des classes de collège sur les théories du complot et nous avons vu à quel point ces théories du complot sont séduisantes pour les adolescents. Elles sont terriblement séduisantes. Et face à elles, il faut évidemment développer le sapere aude. Ose penser par toi-même. Ne plonge pas dans n'importe quelle théorie qui miroite et qui te donne le sentiment que tu as enfin accédé à la certitude, mais cherche la vérité. Et vous savez à quel point dans une démocratie, la certitude est l'adversaire de la recherche de la vérité. La certitude, c'est le propre des tyrannies. C'est en tout cas les tyrannies en germe. La recherche de la vérité, c'est en revanche la démocratie en acte. Donc passer de la certitude à la recherche de la vérité, c'est bien évidemment le fondement d'une éducation démocratique. Mais vous voyez à quel point c'est difficile au moment où les populismes auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, eh bien, assènent des certitudes pour court-circuiter la recherche de la vérité. Assènent des certitudes en désignant des boucs émissaires, assènent des certitudes en expliquant ce qu'il faut comprendre sous forme de schémas rapides et de schématismes de pensée absolument insupportables. Donc passer de la certitude à la recherche de la vérité, faire du sapere aude le cœur de la résistance pédagogique à nos sociétés est évidemment essentiel, mais il faut l'articuler à la construction du commun, plus que jamais nécessaire dans un contexte civilisationnel qui est marqué par des phénomènes de déliaison sociale, d'isolement des individus, par la montée des individualismes, par l'hégémonie du paradigme néolibéral de la qualité par la concurrence, hein, puisque les meilleures chaussures, on les fait quand on met en concurrence les cordonniers, eh bien les meilleures écoles, faisons-les en mettant en concurrence les éducateurs. Hein. C'est une idéologie qui quand même est très largement dominante au sein de l'Europe aujourd'hui, et qui sape l'idée même de service public. Hein. Et puis le repli, bien sûr, auquel nous assistons, dans les communautarismes qui s'ignorent ou qui s'affrontent. Alors, au-delà de cela, eh bien, une pédagogie qui résiste aux dérives sociétales au nom de l'articulation fondatrice des principes d'éducabilité et de liberté. Donc je relis en quelque sorte la première partie. La pédagogie reste une résistance. L'éducation doit résister aux dérives sociétales, mais en s'appuyant pour résister à cela, à ce cœur interne de la résistance pédagogique qui est le moment où rippe, où achoppe les principes d'éducabilité et de liberté. Et si j'avais à identifier quatre étapes, mais qui ne sont pas des étapes chronologiques, qui sont des étapes logiques, et on sait bien que l'écart entre le logique et le chronologique est un écart structurant en éducation, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est en soi l'objet d'un grand colloque, le chronologique et le logique. Hein. Faut-il privilégier le logique ou le chronologique? Bon, tout ça, c'est une autre thématique, mais quatre étapes qui ne sont pas chronologiques, le sursis à la pulsion, le sursis à l'immédiateté, le sursis à la certitude immédiate, qui est au cœur, me semble-t-il, de la résistance à une société du tout de suite, du prêt-à-penser, de la théorie du complot, du slogan publicitaire, l'émergence de la pensée nourrie par la culture, non pas tout de suite réfléchie, et pendant ce temps-là, nourris-toi, pendant ce temps-là, consulte des livres, informe-toi, va chercher des témoins, va regarder autour de toi ce qui se passe, nourris-toi pendant ce temps du sursis de tout ce que les êtres humains du passé et du présent peuvent apporter.
L'accès par là à la pensée critique, à la délibération, la pratique du débat, on pourrait en parler, qui est, me semble-t-il, fondamentale dans l'éducation à la démocratie et à la résistance. Pratiquer le débat, c'est pas pratiquer la conversation gentille autour d'une table et sans protocole. C'est pratiquer le débat où on s'astreint, par exemple, quand on contredit quelqu'un, à reformuler ce qu'il a dit, avant de contredire et à obtenir son assentiment sur ce qu'il a dit, avant de dire l'inverse, c'est-à-dire à entrer dans une réelle interargumentation, comme le dit Habermas. Et puis, l'inscription de chaque sujet dans un collectif apprenant solidaire pour faire ensemble société. Une citation pour conclure, elle est d'Italo Calvino, un auteur italien que j'aime beaucoup, qui est décédé en 1985, et qui, dans son livre « Les villes invisibles », conclut ce livre en regardant la société dans laquelle nous sommes. Et il nous dit ceci, « L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là, l'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas souffrir de l'enfer, dit Calvino. Accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde façon d'habiter l'enfer, elle est risquée. Et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Il faut chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer et lui faire de la place. » Eh bien, les cinq pédagogues catalans que nous honorons dans ce colloque ont, dans l'enfer du franquisme, puis dans l'enfer d'une société où le caprice mondialisé s'était substitué à la réflexion collective, ont tenté de faire exister des espaces qui n'étaient pas l'enfer. Un apprentissage continuel, chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer, lui faire de la place. Au fond, ce colloque n'a pas d'autre objectif, grâce à la pédagogie, grâce à la réflexion collective sur l'éducation que vous menez, que nous menons. Cet objectif, c'est de construire des espaces, des lieux, d'instituer des temps dans l'enfer qui ne soient pas l'enfer, de les faire durer. Et on sait à quel point il est important de les faire durer et de leur faire de la place, la plus grande place possible. Et vous allez leur faire de la place tout au long de ce colloque. Merci de votre attention. Merci bien pour vos réflexions. Bien, rebonjour. Je vais là maintenant vous présenter l'association Héloïse Itinéraire des pédagogues européens, qui est candidat au label de l'itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. C'est un projet qui a pris corps en 2014 et qui a mûri, qui a fait un long cheminement avant d'arriver d'abord à la création officielle de l'association Héloïse en janvier 2016. Et je vais vous lire là les objectifs de cette association qui regroupe des sites dans lesquels de grandes figures de la pédagogie ont laissé une forte empreinte et qui vise à présenter le patrimoine pédagogique, à le rendre vivant en le confrontant aux problématiques d'aujourd'hui. Les objectifs de l'association, ce que je vais commenter très rapidement ensuite, c'est de valoriser et sauvegarder le patrimoine que constitue l'œuvre des pédagogues européens, de rendre accessible ce patrimoine au grand public, aux enseignants, aux éducateurs et à toute personne intéressée par la pédagogie, de construire autour de ces pédagogues un réseau européen d'acteurs, de chercheurs, de lieux emblématiques et de savoirs, et de développer sur les territoires, à travers le tourisme culturel et le développement local, les valeurs européennes, les valeurs de l'enfance, l'éducabilité, la démocratie, la tolérance et la paix. Ce sont ces objectifs que je vais rapidement vous commenter, en commençant par vous dire
que l'association comporte actuellement 12 sites, mais il y en a d'autres qui vont prochainement rentrer, et que les activités de l'association, c'est d'accueillir sur chaque site des visites et des rencontres, de mettre à disposition les savoirs qui sont disponibles sur les pédagogues dans les différents pays, donc de recueillir les archives, les ouvrages de chercheurs, d'organiser des rencontres entre les différents sites et de faciliter l'entrée de ceux qui le souhaitent dans ce réseau qui valorise des pratiques pédagogiques spécifiques. Alors, le fonctionnement de l'association, c'est comme dans toute association, un conseil administratif, un conseil scientifique, un bureau. Donc, les pédagogues que vous voyez ont porté les valeurs de l'Europe bien avant que soit créée, évidemment, la communauté européenne. Valeurs de paix, valeurs de tolérance, de démocratie. Et dès le XVIIIe siècle, mais on pourrait remonter avant, nous avons des pédagogues qui ont parcouru l'Europe, qui ont établi des traditions pédagogiques, qui ont constitué un patrimoine matériel autour d'édifices, par exemple, ou immatériel par leur enseignement. Vous avez ici deux grands pédagogues, l'abbé de Lépée qui a introduit le langage, l'inventeur du langage des sourds, et Pestalozzi, le Suisse que vous connaissez certainement tous. La pédagogie, c'est donc un patrimoine. Ce patrimoine est à la fois matériel et immatériel. Matériel, vous avez ici l'école de Crolly. Ça ne marche pas, j'arrive pas à pointer. Vous avez l'école de Crolly à Bruxelles. Vous avez l'école Freinet à Vence, où a enseigné Célestin Freinet et aussi sa femme, Élise Freinet. Vous avez la statue de Pestalozzi à Yverdon. Et vous avez l'école de Grégoire Girard, qui était un moine franciscain du XVIIIe siècle, contemporain de Pestalozzi. Ce sont les premiers sites qui se sont engagés dans l'itinéraire. Héloïse est également porteur d'un patrimoine immatériel. On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Et la convention de l'UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial, il y a une convention culturelle et naturelle. Vous avez donc ici des groupes d'enfants à Vence, à De Crolly, essentiellement ici. La pédagogie, c'est aussi un itinéraire. Un itinéraire, cela... Voilà, un casting de pédagogues. Ce sont les pédagogues qui sont actuellement dans notre itinéraire. Ce sont, vous les connaissez peut-être pas tous, mais vous avez des pédagogues du 18e, vous avez des pédagogues du début du 20e, comme Francisco Ferrer, vous avez les pédagogues qu'a évoqué tout à l'heure Philippe Mérieux, qui sont des pédagogues qui sont rattachés à ce qui s'est passé à Genève au début du siècle, des gens comme Adolphe Ferrière, Claparède, et vous avez aussi un pédagogue qui était le pasteur des montagnes et qui est de la région de Mince et qui est Félix Neff. Tous sont liés à des lieux qui gardent leur mémoire et à des institutions qui perpétuent, qui aident à perpétuer leurs souvenirs. Si bien que notre itinéraire, par sa répartition, par son espace géographique, ce n'est pas un itinéraire comme, par exemple, le serait Saint-Jacques de Compostelle. Ce n'est pas un itinéraire qui se marche, ce n'est pas un itinéraire de pèlerinage.
ce n'est pas un itinéraire où on cherche un point commun à tous. C'est réellement un itinéraire en archipel. En archipel, c'est-à-dire comme dans une mer parsemée d'îles, avec chacune ayant son organisation propre, mais en lien avec toutes les autres. Et ce que nous devons faire maintenant dans Héloïse, c'est de développer ces itinéraires, multiplier ces îles de l'archipel, mais surtout les faire connaître, organiser des visites, des rencontres, des événements dans chaque site et avec les autres, des colloques comme celui que nous sommes en train de faire ici. Ce que nous avons déjà fait à Avance, puis à Genève, puis à l'école de Crolly, à Mainz en juillet 2018 et à Fribourg en septembre dernier. Des manifestations qui permettent donc la visibilité de notre itinéraire. Développer l'itinéraire, c'est aussi faire connaître à travers les publications, le faire connaître à travers les publications de ses membres. Alors, voici quelques-unes ici, où vous reconnaissez notamment un livre de Philippe Mérieux que vous venez d'écouter. Et une chose qui est importante, c'est de développer l'itinéraire par ce que nous appelons des boucles, c'est-à-dire autour de chaque île, de chaque pédagogue, développer une boucle qui permet de le faire connaître dans son environnement, à travers sa vie, son histoire, les paysages dans lesquels il a vécu. C'est ce que nous avons appelé des boucles. Nous en avons une, la première qui a été faite pour le site de Fresnay, où nous avons une boucle autour de Célestin Fresnay, vous voyez, qui traverse tout le paysage dans lequel Célestin Fresnay a vécu, qui raconte un peu sa vie. Et nous avons aussi une boucle pour Élise Fresnay, qui était la femme de Célestin Fresnay, mais qui était aussi une pédagogue artiste même, et qui a son itinéraire propre avant de rencontrer Célestin Fresnay. Il y a plein de boucles comme ça sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir. Il y en a une qui est en train de se mettre en place à partir de Saïforest et de Martha Mata, et qui va, je pense, assez vite démarrer. Et c'est à partir de ces boucles qui prennent en compte le paysage, l'environnement, que se construisent ces communautés patrimoniales qui constituent l'itinéraire. J'ai essayé, vous voyez, la prise en compte du paysage et cette formation de communauté patrimoniale. Alors, je dois dire que ce n'était pas moi qui devais faire cette présentation, mais Xavier Riondet, et que je l'ai remplacé un peu au pied levé en utilisant ce PowerPoint. J'espère que j'ai un peu éclairé ce qui est notre itinéraire, le travail de notre association, et pourquoi nous souhaitons vivement que soit reconnu notre itinéraire comme un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Car il n'y a pas dans les itinéraires culturels du Conseil de l'Europe, qui sont déjà nombreux, il n'y a pas d'itinéraire sur l'éducation. Donc nous espérons réellement pouvoir obtenir ce label. Un évaluateur sera parmi nous demain et vous aurez l'occasion de parler avec cette personne qui vient du Conseil de l'Europe si ça se présente. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous prie de m'excuser puisque c'était prévu avant cette présentation. Et maintenant, je vous souhaite à tous une bonne journée de travail. Desitjo que tinguin una sessió del col·loqui Eloïs ben profitosa pel bé de l'educació, de la formació de persones i de la transformació d'Europa en una societat culta, democràtica i lliure. Bona feina. Gràcies.